Et salut à tous les potos, on se retrouve aujourd'hui pour un Je n'ai jamais avec mes meilleurs bros Sneaky, avec ma meilleure bro Kalissou, avec mon meilleur bro Rebos, yo. Et avec une de mes meilleures bros aussi, Kat. Un réel plaisir de t'avoir pour la première fois sur ce plateau. Quelles sont les sensations? Monte un peu ton micro, mets-le juste devant la bouche. Devant ouais. Ce qui te sert de parole. Bien, je suis un peu stressée, mais là, tu es un petit peu stressée, Kat. N'hésite pas à parler fort. Tout le monde est content. Monté, hein. Il y a des cœurs dans le chat, etc. Donc là, on a deux invités spéciaux. On a droit à avoir notre petit Sneaky national. Bon, je ne suis pas très spéciaux, mais je suis là. Merci, mec. Et notre Kat à nous. Donc ça fait plaisir. C'est quoi ce son? Ah, il y a apparemment il y a un petit saucisson. En tout cas, il y a énormément de. Un petit saucisson. En tout cas, il y a énormément de hype parce qu'on a un Je n'ai jamais avec deux personnes avec ouais, qui on a jamais grave. Joué. Forcément, on va apprendre des trucs, c'est sûr. C'est ouais, sûr. Ouais, forcément. Voilà. Je sais pas, moi je suis quelqu'un de très pro et de discret. Alors... Ah, oui, d'accord. Je suis pas sûr qu'il y ait masse dossier. Là, ça va. Ça va on verra. Ah, ça peut se décorter vite. Hein, ça va être ouais, chaud. Ouais, ça va fonctionner. En tout cas, on a personne à la régie donc on va pas. Ah, si, Jackson, je t'avais pas vu. Alors, t'avais pas vu Jackson. T'étais caché derrière. Il est noir aussi, qu'est-ce qu'on fasse. Un peu trop son pour moi là. C'était. Non, ben vas-y, bon, on va envoyer la première question. Hein. Je suis assez chaud pour commencer le débat de suite. On va aller dans le vif du sujet. Je n'ai jamais été spectateur d'un acte sexuel. Est-ce qu'il y a des gens Attends, je réfléchis. Attends, mais déjà, quand tu mets un porno, t'es spectateur d'un truc sexuel, tu vois. Exact. Ah oui. Bah, le Alors, dans ce cas-là, comme disait Sneaky, effectivement, quand on est devant un film de boule, on est spectateur d'un acte sexuel. Mais alors, on va dire IRL, tu vois, genre, tu vois vraiment... Je pense que c'est le but de la question. Alors Ça a pu m'arriver. Ça a pu t'arriver. Ah, ça a pu m'arriver. Dans quelles circonstances? Je sais pas, en soirée, tu sais, tu rentres, tu ouvres une porte, t'as ton pote voilà, qui est oui, en train de... Oh, pardon, et tu refermes. Okay. Ouais, voilà, ou tu rentres. Ou tu rentres, et puis bon, bah, tu t'installes, tu vois. Il y a un mec qui reste planté comme ça. C'était pas une des questions de merde, lundi, c'était comment participer à un acte sexuel. Ah, oui, c'est ça, comment participer à une partouze. Ouais, c'est ça. Salut. Et du coup, les autres, à part ces trucs... Jamais. Moi, quand j'étais en Croatie, j'étais parti aux toilettes, j'ai ouvert une cabine et après, bah, y a des gens, ils faisaient pas que pipi, quoi. Ils faisaient pas que pipi. Ouais. Et toi, Kat? Bah, en fait, je réfléchis, je sais pas. Mais si tu sais. Ah, je sais, moi. Bah, en soirée, peut-être, tu vois, mais c'est pas quelque chose, si tu fais attention, tu fais... Et tu regardes s'il y a deux. Moi, pour être honnête, c'est dans des clubs à Berlin notamment où il y a le Kit Kat. On en avait parlé, je crois, une fois. Le Kit Kat Club est un club un peu libertin. Voilà, dans l'idée. Et tu peux voir, mais normal, hein, à côté de toi, des gens en train de faire l'amour ou autre chose. Voilà, cool. Et c'est ok. Moi, c'est les seuls moments où j'étais spectateur d'un acte sexuel. Après, j'ai pas été un spectateur très attentif, tu vois. T'étais pas là planté à regarder. Non, c'était juste, j'étais posé là. Bon, ben voilà, c'est comme ça, je suis pas. Voilà. Mon Dieu. Bah, je pense qu'on peut passer à la prochaine question. Ok. T'as pas répondu? Si, j'ai dit j'ai jamais vu. Ah ok, c'est bon. J'ai jamais T'as déjà fait l'amour ou pas? Je crois que ça m'est déjà arrivé. J'ai dit pute. Je n'ai jamais fait l'amour dans un endroit public. Mais c'est que ça la question en fait. alors c'est du cul. Mais ouais, mais là t'as mis le mode sexy dès le début, quoi. Attends, mais comment c'est tranquillou toi aussi là? Ça commence, attends, vous êtes des gamins là. Mais si, au-dessus tu peux changer. Non, mais c'est du cul. Ok, que du cul. Que du sang. Non, mais c'est du sang, frère. Du coup. Public, bah, c'est ouais. Quoi? Espace public en ou devant les gens? Non, public. Ah, attends, mais reviens sur. Ok, donc on oublie celle-là. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans un endroit public? Alors, par public, moi j'entends aussi, bah, par exemple, en vacances, au bord d'une rivière, tu vois, c'est un endroit public en soi. Ok, ok. Bah, je pense à ça au hasard, hein. J'ai dit ça au hasard. Hein. Pardon? Hein? Alors j'y vais, ouais, c'est possible. C'est possible. C'est pas à chaque fois il laisse le Disney. C'est possible. Ah, et on est là pour jouer, ouais, ça m'est déjà arrivé. On demande quel endroit public? Non, enfin, oui, si, si, non si. Non, oui. Ah, si. Je sais pas, tu as le McDo. Le McDo? Ouais. Ouais, d'où on m'accuse alors que c'est Sneaky. Le McDo, comment ça, t'as une histoire au McDo? Non, moi pas du tout. Alors. C'est pas vrai. Non, mais... Ah, il y a eu la forêt. La forêt, ouais, pareil, la forêt. Quand tu es jeune et que tu n'as pas le droit d'inviter des copines à la maison, tu vois. En vrai, même. Forcément, l'endroit, tu te le crées, quoi, tu vois. La forêt? Mais en vrai, même quand t'es pas jeune, hein. Moi, j'ai eu un accès Après, c'est plus pour délirer, tu vois. Après, est-ce que c'est agréable de. Moi, j'aime bien, ça change, tu vois. C'est vrai que c'est. Ça change que dans le même lit. C'est romantique, quoi. Du type bestial. C'est romantique, voilà, c'est ou bestial, bestial. Selon. Kat, endroit public? Oui. Où ça?
Mets un peu de micro devant ta bouche. Mais en fait, ça fait bizarre parce qu'on ne voit pas que je parle. Du coup, rapproche-le en fait quand tu le mets devant ta bouche. Colle. Ah, carrément. Oui, c'est mieux. Tu vois, regarde. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Du coup C'était. En fait, c'était un cours de tennis ouvert sur. Un cours de tennis Non, j'ai pas entendu. Tu un cours de tennis là, tu joues le tennis. Ah, ouais. Ouais, le terrain de tennis. Le terrain de tennis. Yes. Et c'était sur la plage. Et c'était en face de l'océan. Et il y avait les étoiles. Et c'était bien. C'était bien. C'est vrai. Il faisait bien l'amour. Je regardais plus les étoiles, on va dire. Ah, tu regardais plus les étoiles? Oui. Parce que tu t'ennuyais? Aïe. Il y a des choses plus belles, en fait, qui se passent. Quand ah, il y avait des choses plus belles qui se passaient, d'accord. Et c'était quoi le nom de ce jeune homme? Non, mais arrête. Non, tu passes son Facebook non plus, son email. Mais garde, je non. Et toi, Rebos? Faire l'amour avec... non, faire l'amour... On va dire, ou quelque chose de sexuel, pas forcément le coït. Ouais, ça peut peut-être... C'est peut-être déjà arrivé. Mais comment tu peux dire c'est peut-être déjà arrivé? Bon, tu connais pas dans un cinéma, le voilà. Le mec est pas certain. Mais il n'y a pas eu le coït, quoi. Oui, il y a eu quelques doigts, enfin... Que... troisième question. Je n'ai jamais tenu un panneau sur lequel j'avais écrit... Ah. Ouais, parce que voilà, sexy. Ouais. Ok. Sinon, respire un peu, quoi, tu vois. Qu'on respire un peu, j'avoue qu'on soit pas sous presse H24, tu vois. C'est un peu moins chaud ici. T'sais, c'est la vidéo de l'enfer, là. Je n'ai jamais tenu un panneau sur lequel j'avais écrit « Aidez-moi, je suis kidnappé » sur la fenêtre arrière de la voiture en allant en vacances avec mes parents. Waouh, c'est un chiffre feu. Wow. Non. J'ai pas compris la question, pour être franc. En gros... Non, mais vraiment, t'as déjà fait si, ça. Ah, si, j'ai capté. J'ai marqué « Help ». J'avais marqué « Help » sur la feuille et je l'avais collé à la voiture. Et alors? Bah rien. Tu sais qu'en vrai, c'est chaud de faire ça parce que... Non, si... parce que quand t'es une gamine et tu fais ça, t'as un peu le stress, alors tu fais... Tu vois, comme ça, genre... Ah oui, genre t'es en mode... T'es tu... Ouais. C'est ça, tu... Voilà. Alors, je suis même pas sûre que ça ait vraiment été lu, tu vois. En vrai, je trouve ça chaud parce que, tu vois, imagine, toi, t'es conducteur, quoi, t'es dans ta voiture... Ah, tu vois là, ça, tu poses des questions, tu je pense. Deux, ouais. Tu vois une gamine avec un truc « Help » et qui te regarde comme c'est ça. C'est chelou, quoi. Il y a une pub, vas-y. Ah, vas-y Jackson aussi, nous dit que... Ouais, Jackson nous dit en fait qu'il y a une pub justement où il y a une histoire comme ça. Mais en vrai, moi, je m'imagine sur la route, je vois un panneau avec une gamine avec un truc help. Ah, t'es ta queue pour essayer de la sauver. Mec, je serais en bas d'ultime. En vrai, je serais en mode, mais je fais quoi? Je m'arrête? Tu vois, autant le mec est chelou. Enfin, c'est... Ah, c'est clairement, c'est vrai que tu te poses des questions. Ah, moi, je baderais vraiment de ouf. Ah, ouais, grave. Comment tu récupères? Enfin, tu les suis ou tu les suis pas? Tu te dis, est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? Est-ce que j'attends qu'ils aillent à un air de repos? Ou je les suis jusque dans le sud? Ou... Dans le sud? Pourquoi dans le sud? Bah, non, mais c'est parce que c'est la longueur. Enfin, genre, t'es déjà en vacances? Ouais, pas, ouais, vacances, ouais. Tu vas pas en vacances dans le nord de la France. Moi, perso, je viens du sud, donc quand je vais en vacances, je reste dans mon sud. Ah, bah voilà, pas chez nous, tu vois. Donc, moi, quand je vais en vacances, je monte. Quoique. Bon, pas très loin. Ouais, ça dépend. Vous l'avez fait les autres? Non. Kat, t'as jamais fait ça? Bah non, je mettrai doigt d'honneur. Faudrait écrire à l'aide, A-L-E-D, en majuscule, soulevé comme ça. Tu la trouves ou pas, Jackson là? Ok, Jackson a nous pop dans la petite vidéo. Dans le chat, je crois qu'on a eu. J'ai fait ça déjà. Oui, qui fait ça déjà? Bah on l'a fait. C'est infâme, on dirait un fond de classe de bac pro. Bah on voit que tu connais ça, mon bro. Hein. Ah ouais, j'avoue. En vrai, c'est quand même le mieux, le fond de classe. En vrai, c'est le mieux. C'est, ouais. En vrai, c'est là où tu t'amuses le mieux. C'est pas tellement une critique, quoi. Ouais, non. Après, moi, j'allais toujours devant, quoi. Tu la trouves pas? Ok, ah, dommage. Pas dommage. Elle nous a fait tempo pendant 5 minutes pour pas grand-chose. Vas-y, meublé, je trouve la vidéo. Ouais, non, mais non. Bah, vas-y, next, du coup. Sexy, c'est parti. Alors, on n'a pas fait beaucoup. Je n'ai jamais fait l'épilation intégrale du maillot. Moi, j'ai une bonne histoire à raconter là-dessus. Vas-y, vas-y. En gros, je suis parti en vacances avec des potes quand j'avais peut-être 20, 21 ans, tu vois. On était partis 5 potes, et en gros, pendant 5 potes, c'était la murge. Mais c'était un condensé de testostérone, c'était sale, tu vois. Et en gros, on se faisait des défis, toujours. Et moi, j'ai perdu un défi où j'ai dû m'épiler intégralement le maillot. À la cire? Non. Ah non. Mec, t'es ouf. Non, avec la tondeuse, tu vois. Ah oui, ouais. Mec, je me suis arraché les couilles. Hein. Ça arrache les couilles parce que tu sais. Ouais, faut pas que le poil en fait il se coince. Exactement. Du coup, je l'ai fait une fois et ma meuf, genre, elle a halluciné. Mais non, pourquoi? Non, c'est bizarre. C'est chelou. Ok. Moi, j'ai déjà testé une fois à la cire, c'est chaud. À la cire ouais, parce que... Ouais, parce que genre, tu sais, ma meuf, tu sais, elle s'épilait après, genre, m'a dit, tu veux tester? Tu sais, j'étais pas chaud, mais je voulais tester au moins une fois. Estelle? Oui. et après j'ai testé, c'est horrible, genre pire sensation du monde quoi. Mais en général, moi ouais, je fais à la tondeuse tranquille. Ah, donc tu te tonds un petit peu les poils pubiens? Effectivement.
Enfin, là, j'ai pas trop eu le temps à cause des QC et tout, mais on va arranger ça ce week-end. C'est du débroussaillage. Voilà. Du coup, là, c'est le sécateur pour Ibos. Petite histoire. C'est qui à la cire, non, jamais. Ça m'est jamais arrivé. Jamais. T'as en, même temps, en même temps, l'intégrale, ah oui, c'est rare. Ouais, l'intégrale, c'est rare. C'est pas la question, c'est. Non, l'intégrale. C'est... Attends, l'intégrale, c'est tout. T'enlèves tout. C'est tout. Sec. Genre, en gros, t'as... c'est comme quand t'étais gamin, sauf qu'elle est plus grosse. En gros. Ah ouais, c'est, je pense que ça a dû m'arriver, ouais. T'es pas en train de raser à 4, faire un dégradé sur tes. Vois, un petit tribal ou quoi, toi Un dégradé rebeu, t'es horrible. Petit tribal. Du coup, intégrale, les filles, bah oui, on se c'est, le fait, c'est plus courant. Enfin, moi, ouais, je pense que tout le monde dépend dans sa vie. Parce que ça dépend. Des fois, tu vois, chez l'esthéticienne, enfin, moi, je le fais pas. Tu vois, je plutôt pas chez le métro. Non. Voilà. Non, c'est forcément plus courant chez les femmes. Voilà. Après, en vrai, elles le font maintenant de moins en moins comparé à genre il y a 5 ans, tu vois, entre guillemets. Avant, c'était... Tu pouvais pas te présenter, entre guillemets, quand c'était poilu, parce que ça se faisait pas du tout. Et aujourd'hui, les garçons préfèrent un peu plus poilu que... dans le temps. Bah, c'est-à-dire que ça peut être gênant, tu vois. Il peut y avoir un aspect de petite fille, quoi, qui peut être un peu gênant. Non, mais c'est vrai, tu vois. Enfin, effectivement. Voilà, bah, je pense qu'on va passer sur la prochaine question parce que celle-là était particulière. Je n'ai jamais fait attention à ma ligne. Ah, bon. Bah si, tout le monde, je pense. Tout le monde, je pense. À une période ou quoi, tu es soit un peu trop gros, soit un peu trop mec ou quoi. Ouais, ça m'est arrivé. En fait, ouais, il y a faire attention et fais attention, tu vois. Il y a faire un régime, machin, et puis il y a faire attention dans le sens genre, ouais, non, je vais pas manger McDo aujourd'hui, j'en ai déjà mangé un hier. Enfin, tu vois, ça, c'est ce que j'appelle ça, c'est aussi plus faire attention à son compte en banque que sa ligne. Aussi. Aussi. Bon, moi, je pense qu'on peut passer à l'annexe. Ouais. Au niveau soft, c'est un peu trop soft. Ouais, c'est de la merde, quoi. C'est vrai, bah vas-y, montre. Ah, c'est celle-ci. C'est celle qui met feu à une maison aussi, non? Quoi? Non, c'est pas la même petite. T'as la tête de la fille. Tu fais un peu peur, on dirait un début de film d'horreur. C'est qu'elle a l'air vicieuse quand même. Hein. Elle écrit un petit truc. Hello. Mommy in a bit of a hurry, was she? Oh la gueule! Oh, c'est stressant! Il va mettre son cali sous son crâne à la daronne là! C'est quoi ce rire? Bound to create drama! C'est énorme! C'est énorme! C'est bah, tu vois, voilà, en fait, c'est un truc à pas faire quoi! Genre, clairement, moi, mon gamin il me fait ça, je batte de ouf! Tu vois, je... tu le laisses sur je suis pas sûr que je le laisse en vie après ça! Enfin, la question, c'est est-ce que ton gamin t'aime, tu vois? C'est ouais, ça, genre. Ouais, le petit prank! Après, ouais, mais après, c'est peut-être un petit filou, tu vois, qui veut rigoler, mais il se rend pas compte que tu peux le rendre archi cher, genre! Ouais, clairement! Bon, ben, nice, merci Jackson d'avoir retrouvé la vidéo. On va passer sur la prochaine question qui sera donc une question. Sexy, effectivement. Je n'ai jamais sucé une glace sensuellement devant un homme. Elle est ça va de temps en temps, mais. Ouais, j'ai jamais sucé une glace sensuellement devant un homme. Ah, des bons cornets. Pardon. Que non, si... non, ça va, je suce pas trop des glaces. Je pas... pas trop. Tu suces pas ou tu suces pas trop des glaces? J'aime bien les glaces, mais. Tu l'as déjà fait pour rigoler à un pote? Ouais, sûrement. Ah ouais, pour délirer. Oui, ouais, tu sais, pour délirer, tu vois. Les filles? Pas pour délirer. Pas pour délirer. Si, forcément, j'ai on parle de la glace. Hein. Ouais, si, forcément, genre, c'est obligé de. Forcément. Bah oui, évidemment. Évidemment, j'ai sucé une glace sensuellement devant un homme. Une bonne glace à l'italienne, non? Ouais, voilà. 4. Bah en fait, sérieusement, non. Enfin, je trouve pas ça sexy de sucer une glace. Enfin, je vois, t'en as partout ici. C'est avec la bonne crème. J'avoue, t'en as de partout. Enfin, j'essaie de faire ça pour rigoler, tu vois. Moi, je commençais. Voilà. Et ouais, fait, non, mais tu vas pas sucer la glace jusqu'elle fond, justement. C'est quoi? Pendant 20 minutes, la lourdeur. Qu'est-ce que tu prends là, ta glace là, c'est relou. Bon, moi je te crois pas trop, Kat. Allez, on passe à la suivante. À d'autres, hein, à d'autres. C'est dommage. Je n'ai jamais indiqué un mauvais itinéraire à quelqu'un de perdu, oh fils de pute. Ah, ça m'est jamais arrivé. Non, moi non plus. Non, moi non plus. Ah, je suis toujours été un nice guy. On me l'a déjà fait, tu vois, tout le temps. On me dit, ouais, à gauche, à droite, je demande à un autre mec. Non, mais c'est en face, tu vois. Non, mais tu vois, par exemple, on dit les Parisiens, ils indiquent jamais la bonne direction ou la direction, tu vois. Les Parisiens, ils te répondent pas. Ouais, ils te répondent pas parce que, en général, tu vois, c'est des gens de banlieue qui sont sur Paris, ils connaissent pas tous les coins, tu vois. Moi, je pense. Bah on après, est des connards. Non, mais après, t'as le droit de pas savoir. Mais quand tu sais pas, tu dis pas un truc au hasard. Tu dis, le mec qui panique. Ouais. Oh, gauche, droite, j'ai plus de gauche. Tu te sens sur 200 mètres et puis. Mais tu connais. Non, non. Toi, Kat. Non, pardon. Continue.
T'as déjà indiqué un mauvais chemin à quelqu'un? Mais bien sûr que si, c'est marqué sur son visage, regarde. Je pense souvent, c'est des gens qui font arc, Paris c'est mon quartier, t'inquiète pas, je connais. Puis qui disent n'importe quoi. Et qui t'amènent chez eux. C'est notre histoire. Quoi? On a tout le temps pour écouter ça. Mais je pense qu'il y a des gens en fait qui essaient de se donner un petit air de parisien, surtout quand des gens comme moi qui sont pas de Paris, ils disent t'inquiète, je connais Paris, c'est là, à gauche, à droite, vas-y. Merci, pas de soucis. Et toi, t'as tendance à être gentil avec les gens qui te demandent le chemin? Bah, je sors mon téléphone, Google Maps, et je monte. Ah, donc tu demandes pas? Quoi? Tu demandes à ton téléphone, quoi? Non, j'aime pas demander. D'accord. Ça met mal à l'aise. D'accord. Est-ce que vous entendez 4 dans le chat? Ouais, mais moi, je l'entends pas. Ouais, je lis sur les lèvres. Moi aussi. En fait, on l'entend pas. Mais ouais, mais 4 est très discrète. Mais hésite pas à parler, hein, fort. Hein. D'accord. Faut les deux. D'accord. Une petite bière comme vendredi soir ou jeudi soir et puis ça ira. Ouais, quoi. Petite bière et ça repart. Oui, on l'entend. Bah nickel, on t'entend. Ah, t'en fais pas, il n'y a pas de problème. Bah, on va passer à la prochaine question. Yes. Je n'ai jamais demandé à une fille de me mettre le préservatif. Bah si, on a tous demandé, je pense. Ouais. C'est une des bases. Enfin, oui. C'est une des bases. C'est une des, voilà, moi, on me l'a jamais demandé. Ah bon? Ouais. Mais t'as c'est toujours le mec qui se le met tout seul. T'as jamais une capote ou pas? Ah, un mec, du coup. J'ai quasiment jamais utilisé de capote dans ma vie. Enfin, les deux fois ou trois fois. Quoi? Tu te protèges pas? Ça a rien à voir avec la protection. Enfin, on va pas parler de ça, mais j'ai toujours fait confiance. Si, on va parler de ça. Mais si. Ah bah si. C'est pas que je mets pas de protection, c'est que j'ai mes propres protections. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets des préservatifs pour femmes? Je n'ai pas de coup d'un soir où j'ai pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est ça, tu fais en sorte de ne pas avoir. Voilà. Oui, je vois. Je vois. Ouais, cache-toi. Oh putain, j'avais pas vu qu'il était là. Faudrait aller faire des tests soon pour checker tout ça quand même. Va falloir checker tout ça. Kat, est-ce que tu as déjà mis un préservatif sur le phallus d'un homme? Ah, c'est la question. Sur son cibre. Enfin, il y a un moment où tu te dis, ah bah j'aurais bien essayé en fait. De mettre... Ah toi c'est l'inverse, c'est j'aurais toi qui as dit, attends, je te le bouge pas. Allez, bouge pas. Bah oui, enfin, ouais, c'est intéressant, c'est éducatif. C'est éducatif, effectivement. Elle a raison, hein. Enfin vraiment. Et toi? Moi j'aime bien demander qu'on me la mette. Enfin, qu'on me mette la capote, c'est bizarre! Qu'on mette. Eh, c'est pas dans le zinc, qu'on mette la capote, quoi. Donc, d'accord, t'aimes bien qu'on te demande qu'on te la mette, pas de soucis. La capote. Maintenant, tu vois, on a nos débats et on l'utilise plus, tu vois. Parce que c'est cool, sans. Vous avez fait des tests et vous vous dites voilà, c'est bon, effectivement, y a pas faites les tests, les amis. Oui, je vois. C'est ultra gênant. Un petit peu. Je vous parle de quoi, là? Est-ce qu'on peut passer sur la prochaine? On a eu un max d'infos. J'espère que ce sera pas dans le zap, bordel. Je n'ai jamais dansé le twerk. C'est un bail sombre, ça. Jamais. Je ne l'ai jamais fait. Ah, t'as jamais twerké? Je l'ai jamais fait, ouais. Ouais. Jamais twerké. Pensez-moi, on l'a déjà fait. Oui, bien sûr, on twerk ensemble, des fois. Mais c'est très très bien. en vrai, moi, j'ai déjà twerké, tu sais, pour rigoler. Pour ouais, parce que c'est marrant, twerké. Même pour rigoler, ouais, j'ai jamais fait. Pas, et puis tu fais, ouais, fuck, quoi. Je sais pas le faire, ni ta mère. C'est que j'ai pas trop compris comment se coordonner, mais... Enfin, je tente, au moins, je tente. Je tente. Oh, y a une petite démo, là, possible ou... Ah non, c'est mort. C'est archi mort. Le coup 6 depuis hier soir, c'est chaud. Kat, ça twerk un petit peu? Bah, en soirée. En fait, j'aime bien la danse, de base. Ouais. Il y a des trucs que tu essaies dans ta chambre. Enfin, après, twerker un public, non. Bah, t'as jamais fait devant un public le twerk? Non. Oui, mais toute seule, tu l'as déjà tenté? Enfin, chez moi, oui. Enfin, un de mes publics, non. Et tu te sentais à l'aise sur ton twerk? Je sens qu'il me manquait quelque chose, en fait. Pour bien le réaliser, donc je suis vite arrêtée d'essayer. Tu t'es arrêté, ouais. T'es revenu au rock'n'roll. Et du coup, toi... Moi, je suis pas très twerk, moi. Tu vois, j'ai un petit cul, en plus, tu vois, genre... Moi aussi, mec, j'ai un minuscule cul, mais c'est pour rigoler, tu vois. Ouais, non, mais je suis pas très twerk, de base, tu vois. T'es pas, ouais, twerké. Ouais. Ok. Alors, je pense qu'on peut passer à la next. On a des bonnes questions, en vrai. Je n'ai jamais été attaché au lit. T'as un bail sombre, ça, hein. Non, Kat. Le mec qui aime. J'ai vu dans ses yeux que... Est-ce que tu as déjà été attaché à un lit via des menottes ou autre chose? Attaché dans une cave ou attaché dans le lit? Attaché sur le lit. Je sais pas, genre... Oui. Attaché au lit, au truc, voilà, tu vois. Au lit ou dans le lit. Enfin, en tout cas, t'étais attaché quelque part. Oui. Par un autre homme, peut-être, je sais pas. Oui. Oui. Par un autre homme. Oui. Par un autre homme, d'accord. Trop gênant. D'accord. Dans le cadre d'une expérience. Une expérience sociale. Une expérience sociale. Éducative et sociale. Éducative et sociale. D'accord. Une expérience, ouais, est toujours bonne à prendre. Oui. Ah oui, ça. Okay. Apprendre, oui. Du coup, non, moi je me suis jamais fait attacher. Ok. Moi je me suis déjà fait attacher. Déjà fait attacher. Par une homme ou par une femme? T'as kiffé ou quoi? Bah, il y a un truc d'agréable du fait que t'as absolument aucun contrôle. Du coup, bah, tu te laisses aller et YOLO, quoi.
Je vois. Non, ça m'est jamais arrivé, perso. Donc en vrai, ça va. Ok. On va passer sur, sur une autre question. Oh, on peut y aller. Je n'ai jamais manqué un avion. C'est un peu trop soft, moi. Non, je n'ai jamais manqué un avion. On a peut-être des expériences. Non, j'ai jamais manqué un avion. Non. Un avion, non. Non. Manqué un train, oui. Ouais. J'ai manqué un avion. T'as manqué un avion pour important où? Oui. Pour je raconte la petite histoire, là. Ah bah, bien sûr, c'est le but. Hein. Alors, en fait, j'étais à Tokyo pendant un mois et quelques. Et je voulais elle a fait des photos magnifiques de Tokyo. Allez voir. Quand même. C'est bon? Ouais. Mais parle comme quand tu nous parles dans la vie, en fait. Bah alors, putain. Ah, nique sa mère. En fait, j'étais à Tokyo et c'était ma dernière soirée. Et j'ai décidé de me bourrer la gueule comme jamais. Et du coup, le lendemain, en fait, je pouvais pas. Physiquement, je pouvais pas. Je vomissais, je peux pas manger, je peux rien faire. Je me suis dit, bah fuck l'avion, en fait. Tant pis, je règle ça plus tard. Je peux comprendre. Mais il se passe quoi en gros quand tu montes un avion en fait. Est-ce que genre c'est. Baisé ou est-ce que genre ils disent ouais, bon, ça t'es niqué. T'avais mal à tête hier soir. Ah non, t'es niqué. T'es niqué, mec. Ah ouais. Ah oui. Okay. T'es niqué. Après, ils font des appels, tu sais, quand 5 minutes avant le départ, machin, des fois t'entends genre ponce-fesse, son avion va partir. Enfin, ouais. Genre, du coup, bah, tu dis ouais, il faut que je me bouge. Moi, j'ai jamais raté d'avion, j'ai failli en rater un hard à cause des flics. Qui m'avait contrôlé, c'était allé un peu loin, il m'avait lâché. Ah, et tout ça rectal, c'était. Et du coup, j'ai été évacué du truc des flics et tout, peut-être 8 minutes avant le départ de l'avion, en mode full panique, mais je l'ai pas raté. Voilà. Félicitations. Belle prouesse. Hein. Belle prouesse. J'ai couru de ouf. Suivante. Une autre. Je n'ai jamais été épuisé après avoir fait l'acte. Bah si. 4. Bah, on a la chance d'avoir 4 aujourd'hui, faut en profiter. Bah, quand tu donnes un fond, forcément t'es épuisé après quoi. Si t'es pas épuisé, c'est quelque chose qui s'est mal passé. Oui. Rebos ? Oui, effectivement. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Ah, quand tu y vas, tu te donnes quoi. Sinon, sinon tu vas pas quoi. C'est l'équipe de tryhard. Ok, bon, c'était une question. Volley-volou quoi. Ouais, c'est une question assez rapide. Je n'ai jamais. Je n'ai jamais pété bruyamment pendant une réunion. Pas que je me souvienne. En classe, ça m'est déjà arrivé. Vraiment bruyamment. En primaire, ça m'est déjà arrivé. Mais personne m'a grillé, genre c'est trop drôle. Ça va. Tu vois, les gens ils disent ouais Arnaud, c'est toi. Mais non, c'est pas moi. Si c'est toi Arnaud, tu es comme ça. Tu t'appelles Arnaud. Ah, sérieux, quoi, là. Tu t'appelles Arnaud. Non, c'est pas moi. Ah. Non, mais ils ont accusé un autre mec, du coup. Du coup, toi, t'as rien. Non, dit. Non, du coup, moi, j'ai eu aucune. Ok. Aucune critique. Moi, j'attends qu'il y ait dans une ambiance qu'il y ait une musique, tu vois, pour. Mais il y a pas toujours une musique. Ouais, il y a pas toujours. Bah sinon, je me retiens. Mais s'il y a de la musique, tu vois, j'attends qu'il y ait un gros boom, tu vois. Et je lâche. Mais là, on parle de réunion. Ouais, bon, de réunion, il y a pas forcément de musique, donc je me retiens. 4. Eh ben non. T'as jamais pété en réunion. Non. Incroyable, incroyable. Moi non plus. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir lâché un énorme P en réunion. Enfin, c'est pas dans mes souvenirs. Vas-y, Jackson. Je n'ai jamais joué avec ma langue et l'arrière de mon partenaire. Ce qu'on appelle plus communément un l'anulingus. Ouais. Est-ce que vous avez déjà pratiqué les chouilles de trou du cul? Non. 4, on a la chance de t'avoir 4 ce soir. Ça peut être intéressant de discuter avec toi. Est-ce que tu as déjà léché un trou du cul? Je pense qu'il faut que je fasse un tweet là-bas, en fait. Il faut que je retweete d'autres émissions. Ah non, mais là, l'émission, elle est bien, t'inquiète. Hein. Alors? Non, 4, non, 4, c'est chaud, là. Mais laissez-moi. Non, il faut savoir, faut savoir que l'anus est une des zones les plus sensibles du corps. En fait, faut savoir que... Oui, 4. Je pense que quand t'es avec un partenaire, tu peux tester des choses de temps en temps. Oui, effectivement, oui. En fait, j'aurais dû dire non. Oui, complètement. Aïe, aïe, aïe. Donc, est-ce que tu as déjà joué avec ta langue, avec l'anus de ton partenaire? Pas joué, j'ai pas testé parce que j'ai pas kiffé, tu vois. Donc. T'as pas kiffé? Attends, mais ça va être horrible, ça va être dégueulasse. Genre. Moi j'ai déjà bouffé un cul, hein, concrètement. Et non, c'est pas dégueulasse. Mais tu prends ta douche avant, enfin, tu bouffes pas le cul de quelqu'un que tu connais pas et qui est dégueulasse. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais au moins ça, mais bon. Je parle du concept. Mes frais, quoi. Ouais, moi aussi, t'es pas obligé de. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a ça et ça, quoi. Ouais, comme Sneak, jamais testé, ça me donne pas envie, en fait. Je pensais qu'on allait m'oublier. Oui. Non, oui. Et donc, Kalissou. Oui, je l'ai déjà pratiqué aussi. Tu as déjà bouffé des culs.
Mais en vrai, vous rigolez, mais c'est une pratique sexuelle qui est archi courante. Hein. C'est, cou- ouais, c'est pas archi courant. Non, mais ouais. Des mecs envers les filles, c'est, franchement, c'est assez courant, mec. Hein. Mm. Et par contre, des filles envers les mecs, c'est un peu plus rare, ça, je te le cache pas. Bah, franchement, moi, c'est pas possible. Vas-y, rejoins-nous. Et du coup ? Mais ok, bon bah, nice. Non, mais si t'as une petite histoire. Une question instructive. Tu viens sur le plateau, Dieu. Ah, ça devient intéressant. T'as mis skin. Très bien, on peut passer à la next question. La question soft. Je n'ai jamais fait croire à un patient atteint d'Alzheimer que j'étais sa fille alors que ce n'était pas vrai. Mais on n'est pas médecin, frère. alors, c'est une question. Je pense qu'on peut switch. Enfin, perso, j'ai jamais été médecin encore, donc on verra, mais. Je n'ai jamais appelé quelqu'un en inconnu en me faisant passer pour quelqu'un d'autre. Ah, la primaire, ça c'est le ce jeu, hein. T'es obligé de. Ouais, voilà, quand t'es jeune, mais plus aujourd'hui, quoi. Ah ouais ? Putain, mais je suis vraiment un gamin. Si, tout le monde l'a fait, faire une blague au téléphone. Kat aussi, tu l'as fait ? Bah ouais. Ouais. Tu t'es beaucoup amusé quand tu l'as fait ? Énormément. C'est vrai ? C'est bien, c'est important de s'amuser. Moi, je l'ai déjà fait aussi, et moi, pour être honnête, je le fais aussi encore des fois. Mais voilà, on peut passer à la next. En tout cas, moi, quand je l'ai fait, ça n'a jamais trop bien marché, genre, c'était tout en naze. En ah ouais ? Ouais. Ouais, faut un peu pousser le truc, c'est ouais, ça. Ouais, clairement, clairement. Ouais. Je n'ai jamais reçu une fellation dans les toilettes d'une discothèque. Bon. Kat ? Bah oui, tu es obligé de dire oui, je pense. Bah, je te connais, on a jamais déjà rien fait dans les toilettes. On a déjà pas mal. Pardon ? Je n'ai jamais rien fait dans les toilettes d'un club, donc pas de fellation. Ah, ok. Moi, j'ai fellation, non. Enfin, j'ai jamais reçu de fellation, quoi. En discothèque. Il en a fait. T'en as offert ? Non. Mais de toute façon, en vrai, tu peux pas. Enfin, en France, c'est compliqué parce qu'il y a le. Ah, tu rentres pas garde en fait, du corps. À deux, en France, c'est très bien. Ouais, ouais, tu ouais. peux pas en plus. Non, bon. En France, c'est particulier. Déjà, si tu fais des trucs sales, tu vois, genre dans la boîte, les gardes du corps ils viennent et tout. Après, je dis pas. Ouais, que bon, bah, peut-être. Du coup, bah, moi j'avoue, j'ai déjà, mais après, c'est parce que aussi j'habite à Berlin et que pour le coup, les discothèques, c'est pas comme en France et ça se passe différemment. Donc, oui. Non. T'as jamais reçu de fellation ? Calissou ? Bizarre. Oh, étonnant. Non, j'ai répondu, on peut pas rentrer en France. Donc, oui, c'est vrai. Mais c'est, oui, c'est vrai que oui, vu comme ça, c'est compliqué. Ok, très bien. Passez à la next. Je n'ai jamais menti à mes parents. Lol, débat. Oh, une fois ou deux, mais... c'est pas un truc qui me fait kiffer, quoi. Ok. Bon, enfin, moi, j'ai déjà menti. On a tous menti et caché des choses, ouais. Je veux dire, quand tu fumes des pets à 15 ans et que tu bois de l'alcool, je veux dire, tes parents, t'es pas en mode full honnête, quoi. Ou quand t'as la petite fiole de popper, c'est qu'ils te demandent qu'est-ce que c'est ça et t'es en mode c'est un pote, oh, c'est pas moi. C'est quoi un popper ? C'est les trucs que tu mets dans le nez, tu. Non, à la base, ça sert pas à ça. Le popper, à la base, c'est. Je sais pas ce que c'est. En gros, c'est un liquide qui est utilisé notamment beaucoup chez les homos parce que c'est un truc qui permet de dilater les pores. Et donc l'idée c'est que tu vas le mettre par exemple dans une petite pièce, tu vas sur le radiateur. Voilà, par exemple, ça va se diffuser et ça va un peu élargir et ouvrir les pores, tu vois. C'est plus utilisé dans le milieu gay, mais après tu peux l'utiliser. Voilà. Prends la fiole et tu t'en sers. Et ça accélère directement et tu es un peu. Oui, c'est la vasine, mais. En fait, ça accélère ton rythme cardiaque, le truc. En gros, c'est comme l'eau écarlate, c'est-à-dire dessus, il y a écrit interdit de sniffer. Du coup, bah, quand tu le sniffes, t'es défoncé. Du coup, il y a des gens qui le sniffent. Ok, d'accord, voilà. Okay. Mais ça ouvre les pores, c'est-à-dire. C'est-à-dire bah tu rentres, tu veux ouais une démo, je sais pas. En gros bah tu vois parfois la sodomie est compliquée parce que l'anus est un peu trop étroit, peut-être un peu trop sec, je ne sais pas. Et effectivement le popper peut permettre de dilater tout ça. Fluidifier le tout, clairement, je vois. Ouais. Fluidifier le tout. Ah bon, non, mais tu sais que ça fait archi mal. Non mais je croyais qu'il me tirer dans la tête là. Voilà, est-ce qu'on peut passer sur la prochaine question ? Je n'ai jamais aimé me faire lécher les orteils. Kat ? Non. Moi jamais, ça m'est jamais arrivé. Moi non plus, et j'ai jamais spécialement aimé, mais je sais qu'il y a beaucoup de fétichistes des pieds et ça me choque pas. Ouais, c'est quoi. Courant, mais moi non. Ah, moi, tu me touches les pieds, je pète un plomb, je déteste ça. Ah non. Je supporte pas ça. Ok, bah, on peut passer à la next. Je n'ai jamais demandé à mon boss si sa fille était bonne. Waouh. Jérémy ? Ah, les gamins ! Sneaky ? Est-ce que t'as Non. Non, jamais. Bah, j'ai eu que deux employeurs, quoi. Ok. Et ils avaient des filles ou pas ? Bah, pas que je sache. En plus ? Non, je crois pas. Ok. Kali ? Non. Moi, j'ai pas beaucoup travaillé dans ma vie, donc non. Ouais, ça se voit. Ouais. Et Non. Le matin. Non, moi non plus. Bon, bah, personne. Hein. Je n'ai jamais eu envie de coucher avec un ou une de mes amis.
Ah si, je crois que ça nous est déjà arrivé. Ah, c'est après, c'est un basique, c'est aussi. Oui, c'est un basique. À qui c'est pas arrivé? Si, ça m'est peut-être déjà arrivé. Non mais arrête de dire peut-être. Faut arrêter d'être à demi... En demi-mesure. Ça m'est peut-être déjà arrivé. Et ça... toi, Kat? Mais pourquoi moi? Bah parce que tout le monde a répondu sauf toi. Tu peux avoir envie, c'est pas forcément le faire, tu vois. Donc oui. Envie, oui, 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 l'envie, l'envie. C'est juste avoir envie. Bien sûr. C'est sémantiquement bien dit. Très bien. Est-ce qu'on peut passer à l'annexe, s'il te plaît, mon Jackson? Merci. Je n'ai jamais volé de l'argent. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà volé de l'argent. Ok, même à tes parents? Non, jamais volé à mes parents de l'argent. Ok, honnête. Je suis vraiment un nice guy. Hein. Ouais, t'es un putain de nice guy. Ça m'est jamais de voler ou quoi, mais jamais de l'argent. Genre. Ok. Voler genre, dans des magasins, un Kinder ouais, Bueno. Ouais, une canette, des paquets de bonbons ou quoi, mais. Je suis pas un grand pickpocket, quoi. Ok. Et vous? Moi, j'ai déjà volé de l'argent, ouais. C'est Star triste. À qui? J'ai travaillé à la caisse au Quick. Et non, mais non. Ah, tu fais partie des grosses putes quand il y a des erreurs de caisse, ils accusent tout le monde parce que personne dit que c'est. Ah, d'accord. Mais okay, c'est d'accord. Pas ultra sécurisé quand t'es à la caisse? Non, c'est du facile. Tout. Ah ouais oui. Moi, j'ai déjà volé à Auchan. Ce que je faisais, c'était genre. Je remettais pas le billet dans la caisse, je le mettais sous le paquet de serviettes. Mais après, j'ai fait une fois. Mais après, t'avais l'erreur de caisse, la fameuse. Ouais, ouais, mais quand c'est 10 balles, c'est pas grave. Tu oui, vois, oui, c'est vrai, voilà. C'est vrai. En général, 10 balles, c'est remboursé par leur sécu ou je sais pas quoi. Ou... Non, c'est au-dessus de 100 euros, je crois. Enfin bref, voilà. Mais ça, je l'ai fait qu'une fois. Ouais, une fois, quand je bossais au McDo, j'avais sur t'as ma caisse. T'as pris combien tout le temps parce que. J'ai pris 10 balles. 10 balles. 10 balles après. Ouais, j'ai pris que 10 balles. C'est pas énorme. Ça va, non, tu prends voilà, 10 balles à Quick, c'est ouais, pas la fin du monde. 10 balles, ils peuvent même pas voilà, se poser la ça. Question de savoir qui a pris 10 balles, quoi. Mais moi, j'ai été dans la merde une fois parce qu'en bossant à McDo, après mon rush de midi, tu vois, on a fait les caisses et j'ai eu une erreur de caisse de 380 euros. Ah, écoute, tout mais sauf que tu vois, genre, c'était vraiment absolument pas moi. Mais il manque toute la caisse, et du coup, en gros, c'était l'entièreté de la caisse. Un rush de midi d'un McDo à Paris. Ouais, du 2K. Sur les bons midis, j'avais du 2K, tu vois. Donc 380, tu vois. Et en gros, j'avais la haine parce que. Bah, je sais que c'était pas moi. Parfois, il y a des erreurs. Tu vois, tu peux faire des erreurs. Parfois, le paiement passe pas, tu l'as pas capté ou quoi. Mais surtout, j'avais envie d'enculer les personnes qui le faisaient, tu sais, sans le dire. Et du coup, nous qui nous mettaient dans la merde, qu'on avait rien fait. Voilà. Mais j'ai jamais. Si, moi, j'ai juste volé de l'argent à mes parents. J'avoue, quand j'étais petit, tu sais, il y a un endroit souvent où ils laissent des pièces. Et genre, bah, moi, je prenais pour aller m'acheter des bonbons. Des fois, ça m'arrivait de voler. À l'époque, même, il y avait les francs. Tu vois, genre, je prenais genre 10 francs et j'étais là, wow, thug life et tout. On a connu les francs, nous. Si jamais. Oui. Hein. Si, en fait, je me souviens, ça m'est déjà arrivé de voler 10 euros à ma mère et j'ai tellement l'impression, après je lui ai remis dans son sac en fait. Wow. Oh mec, t'as. Et j'ai eu la pression. J'avais la pression. Je sais pas si t'es une victime ou un gars sympa. Ouais, après les deux, je pense. C'est un gars honnête, c'est bien. Ouais, mais ça rentre dans l'honnêteté quand même, non? C'est quoi? Il essaie de se rassurer, regarde. Non, en vrai, moi je trouve le geste assez honnête, c'est-à-dire que t'as culpabilisé de l'idée et machin. Alors moi je pense qu'il a flippé surtout, genre. Ouais, mais ça fait partie de l'honnêteté, tu vois. Un peu, je sais pas. Elle sait. C'est un flippé, non? Voilà. Kat, est-ce que tu as déjà volé de l'argent? Bah, des petites pièces dans la poche d'un maman pour acheter des bonbons. Maman aussi, ouais. Ok. C'était pas en France. Mais bon, voler de l'argent à nos parents, c'est ça. J'aimerais tu vois, bien savoir quand si petit, China elle a volé en vrai. China, est-ce que t'as déjà volé de l'argent à quelqu'un? Jamais. Jamais? Ok. Très bien. Je pense que. Tu veux participer, China, peut-être? Regarde comme elle essaye de se casser. Je n'ai. Oh, ça c'est excellent. On pose pas la question à Sardoche. Hein. Je n'ai jamais oublié d'effacer mon historique internet. Pourquoi Sardoche? Oh, Sardoche, il y a un screen qui tourne de lui avec des recherches sur Pornhub, mec. Il est mythique le screen. Ebony et tout. Ah ouais, mec. Il est mythique le screen. Quoi, ça parle d'oiseaux, ça parle de rhinocéros ou quoi? Ebony, c'est quoi? Si tu peux expliquer ce que c'est Ebony? Les grosses sous-noirs. Je préfère que Ebony. Je préfère que t'expliques Ebony. On me l'a expliqué, mais je me souviens pas. Pareil, je sais plus exactement. China, c'est quoi Ebony déjà? C'est des filles qui sont mates de peau. Effectivement. Ah, c'est tout, ça veut dire qu'elles sont foncées. C'est juste quoi. Ça, ok. Donc voilà. Donc en gros, Sardoche faisait des petites recherches sur des femmes un petit peu plus bronzées que ce qu'il connaît d'habitude, apparemment. Un peu brosson. Les bails brossons. Et franchement, il est insane hein, le screen. Mais c'est marrant parce qu'en tant que streamer, quand tu streams sur ton PC, je pense que c'est l'un des premiers trucs à faire. Tu vas être assez clean, voilà. Tu vois. Au-delà du porno, quand je parle streamer, pas que du porno, mais t'as pas forcément envie que les gens voient tout ce que t'as pu faire sur internet, tu vois. Mais du coup, est-ce après, que ça t'est déjà arrivé toi? Attends, ça m'est déjà arrivé de quoi? D'effacer, d'oublier, d'effacer. Et que du coup, tu t'es fait griller pour. Mais pas forcément en stream, hein, pour X raisons, tu vois. Ah, peut-être, ouais, ma daronne, elle m'a déjà cramé ou quoi, tu vois. Okay. Ah ouais. C'est possible. C'est possible, ouais. Mais sans que tu le saches aussi, c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, aussi, c'est possible. Genre, mais elle me l'a dit, genre. Comment? non, mais c'est des machins genre Pornhub ou quoi, tu sais, t'es en mode ouais, c'est quoi ça sur le PC? Mais c'est pas moi, si c'est pas. C'est pas moi, genre. C'était déjà dans Windows. <D'accord>,
Il y a quelqu'un qui dit sinon il a pas honte point barre en parlant de Sardoche. T'inquiète pas que je pense que c'était pas voulu. Mais après je pense qu'il a pas honte. Bah, de toute façon, enfin je veux dire au final tu vois quand tu vois un streamer qui a fait des recherches de sites de cul, t'es pas non plus archi choqué. Je veux dire qui n'est jamais allé sur un site de cul tout simplement. En fait tu pars de ce principe là, tu dis bon bah voilà quoi. Et moi enfin. Bon c'est... après c'est Ebony qui est rigolo. Ouais, c'était pas... Femdom Ebony. En fait c'est juste que il y a parfois des gens qui disent tu connais ça. N'importe quoi, mais tu sais pas ce que c'est, tu vas faire la recherche internet. Je cherche pas, je suis la dernière personne qui va chercher à le défendre sur Terre, hein, vous savez très bien. Mais des fois, tu peux chercher un truc sur internet parce que tes potes t'en ont parlé, t'es curieux juste de savoir c'est quoi. Ebony, je pense qu'il a bien tapé, il y avait bien des liens. Ebony et Ben. Enfin bref. À d'autres. Ok. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'envoie un screen de mon écran à un pote. Et peut-être dans mes favoris, il y avait un petit lien. Dans tes favoris, tu laisses des trucs de boule. Non mais c'est une question. Il va toujours la même vidéo. Tranquille mec, c'est pas. C'est possible. Ok. Kat. Eh ben moi en fait, c'était un peu bizarre. On m'entend? C'est bon. En fait, c'est moi qui ai regardé l'historique de l'ordinateur de famille et je voyais des sites un petit peu bizarres et je me suis dit qu'est-ce que c'est, faut que je regarde. C'est, je me doutais que c'était un truc bizarre, je clique dessus. Mais t'es à qui l'historique? En fait, c'est le PC de famille. C'est, famille, c'est dans le salon. Donc n'importe qui peut y aller, si jamais. Donc je clique dessus et je vois, c'est un truc de. Enfin, il y a des bits partout. Je me dis, oula, ok, je ferme. Et le soir, t'as mon beau-père et ma mère qui me disent, c'est quoi ça? Pourquoi t'as appuyé sur ça? Hier, à cette heure-ci, j'ai un coup de pression. Je me dis, mais non, je sais pas, je connais pas, enfin, c'est pas moi, tu vois. Genre vraiment, j'avais le cœur qui battait, je disais, mais je voulais juste voir ce que c'était. C'est pas moi qui ai vraiment tapé pour nous, je sais pas quoi. Donc je dis, ouais, c'est ça. Et du coup, c'était qui? Bah, je sais pas. Ton peut-être père que peut-être c'est le beau-père, je sais pas. Ok. On saura jamais. On saura jamais. Et je vois des teams navigation privée, oui, évidemment, ouais. Mais en général, quand t'es sur ton PC et que t'habites tout seul dans ton appart, la navigation privée, tu t'en bats les couilles, mais vraiment. Moi j'utilise la navigation privée, par exemple, j'utilise toujours à mon boulot, tu vois. Enfin, pas ici, mais dans mon ancien boulot. Pas pour des films de cul, tu vois, mais genre pour regarder des streams sur YouTube et tout, parce que j'ai pas spécialement envie que sur l'historique, tu vois, que du Twitch, quoi. T'es pas en train de bosser, quoi, surtout. Mais je suis en train de bosser, mais c'est juste que je peux faire plusieurs trucs en même temps, donc je faisais ça, quoi. Mais voilà. Moi j'ai un truc par rapport à ça, c'est quand tu faisais du téléchargement il y a longtemps sur LimeWire ou des trucs, ouais, ces trucs là, tu pouvais facilement télécharger des films porno. LimeWire, putain, c'est cool, ça. Voilà, ouais, même sans faire exprès. Alors télécharger souvent un film, sans faire exprès, mais j'étais une des premières à l'école à pouvoir télécharger des trucs sur internet comme ça, et il fallait graver sur les CD avant pour pouvoir ramener aux autres où il n'y avait pas de clé USB, il n'y avait pas tout ça. Et je voulais faire plaisir à mes potes et leur amener leur premier film porno entre guillemets, alors j'ai téléchargé ma film porno. Mais what the fuck, c'est quoi ce bail? T'es dans quelle classe? Début collège, je devais être en 5e, un truc du genre. Ah, ça va être cher, c'est un truc, hein. Ouais, super cher. Tu les as vendus? Non, alors je les télécharge, on arrivait presque à la fin, et mon père regarde le PC et il dit « Mais c'est quoi tous ces films porno et tout ?» Et bah, j'ai menti en mode « Bah non, enfin c'est des vrais films, enfin je sais pas pourquoi il y a des films porno, tu vois. » Mes parents étaient ultra choqués, ils ont tout supprimé et tout. Et t'es vraiment laqué, quoi. T'es vraiment laqué, quoi. Je voulais ramener les films porno. T'es la famille, genre... Tenez les gars, j'ai pris masse de films porno, j'en ai pris un pour chaque, j'ai des thèmes. Genre... Qui veut Ebony? Si je me souviens, c'est Sardoche. Non, Andrea. Bref. J'avais téléchargé du Clara Morgan. Bah voilà, qui était sur le canapé noir. Tu la connaissais pas celle-là? Si, Clara Morgan, c'est une des vidéos les plus connues de Clara Morgan. Où elle est. Elle est dans un jacuzzi. De quoi? Non, elle est dans un. Non, c'est pas elle. Elle est dans un jacuzzi et pendant 10 minutes. C'est insupportable. Elle fait rien dans le film. Elle fait que ça. Je sais pas quel est le nom du film. Elle est en train de se faire ramonner l'intérieur. Effectivement. Putain de merde. Eh oui. Est-ce qu'on peut passer sur la question suivante, Jackson? Je n'ai jamais cassé un pare-brise en criant Carglass répare, Carglass remplace. Ils sont chiants. Ouais, ils sont relous quand même. Ces questions. C'est méchant. Qui c'est qui a déjà fait ça? S'il y en a un, il a fait ça déjà, il est bizarre. Non, j'ai jamais fait ça. C'est très malveillant de faire ça. C'est malveillant. Oui, effectivement. Ouais, effectivement. C'est très très malveillant. Du coup, on peut passer à la next. Je n'ai jamais fait l'amour sur la plage. Bien, étonnamment, moi, j'ai jamais fait l'amour sur la plage. J'ai peur que le sable abîme mon gland. Jamais. Jamais non plus. Jamais non plus.
4. Bah si, elle l'a dit avant. Oui, c'est vrai. Bon, mais c'était pas sur la plage, c'était pas sur le sable. C'est au tennis, ok. Voilà. Ah. Oui, mais sable, la plage, je peux pas forcément dire sable en vrai. La plage, terrain de tennis au bord de l'eau. C'est qui? Je suis du sud. Mais moi aussi, je suis du sud. Tu vois, pourtant, c'est un truc que j'ai jamais fait sur la plage. Ou alors, je m'en rappelle pas, tu vois. Mais. Va lui sur la plage. Et le. T'as jamais fait sur la plage? Et le sable, c'est pas relou de ouf? Bah, si, j'ai fait, mais dans l'eau en fait. Dans la mer? Ouais. Ok. Pourquoi Ea? Non, j'imagine juste, tu sais, quand tu sors de l'eau de la mer, après, t'es toujours un peu. T'as une sensation bizarre. Bah, salé quoi. Sèche. Ah, oui, oui. Alors. Ah, mais si vous êtes en mode, voilà, on l'a fait ici, on s'est fait, tu vois, c'est pas en mode. On y reste 3 heures quoi. Ok. Ok. Très bien, on peut passer à la next, je pense. Je n'ai jamais pleuré devant un ou une amie. Moi j'ai déjà pleuré devant un ami. Si, effectivement. Je pense, mais j'ai pas le souvenir, mais ça a dû m'arriver, je pense. Oui, moi non plus, j'ai pas l'image, mais enfin, je m'en doute que. Ouais, je pense que ça a dû m'arriver. Ouais. Bon, je pense que c'est le cas de tout le monde. Kat aussi. Oui. On passe à la prochaine question, qui sera une question sexy. Indice. Celle-ci est hardcore. Je n'ai jamais pratiqué la masturbation collective. Collective, alors c'est quoi? C'est plusieurs là. C'est quoi? C'est... Ouais, c'est... Ah, tu masturbes un ami. Tu es avec un ami et vous vous dites. Tiens, ça fait longtemps, machin. Est-ce que tu veux bien me masturber et moi je te masturbe? Voilà. Un ami. Ah, il y a Valouz qui. Alors là, tu viens 100%, mec. Attends, tu viens du 59. Il vient du Nord aussi. Ah, il vient du Nord. Effectivement. Oui, c'est vrai qu'ils ont pas. Alors je vais peut-être regretter ce que je vais dire, mais. On est entre nous. Nous t'écoutons. Quand j'étais jeune, quand j'ai découvert la masturbation. Mais tout le monde qui m'écoute du coup. En fait, en gros, je séchais les cours, tu vois, donc ne le faites pas déjà, c'est pas bien. Et en fait, en gros, j'avais un lecteur DVD portable. Et dessus, j'avais la cambrioleuse, le fameux, voilà. Et en fait, avec un pote, justement, on avait séché les cours. Qu'est-ce qu'il y a Avec un pote, on avait séché les cours et en fait, on se faisait des après-midi branlettes. Mais on se mettait dos à dos, tu sais, genre, on se branlait pas. Mais on se mettait dos à dos et on faisait des cours. C'est pas gay, mec, hein, tranquille. Le premier qui... Allez, j'y vais, hein. Oh non, c'est... Avec une chaussette on était dans une baraque abandonnée, gros, ça tombait par terre, quoi. Abandonnée, en plus. Oh, le bail bresson. Est-ce que vous preniez toujours la même place? Je me barre. T'as quelque chose à nous raconter, Thomas? Et la masturbation collective, Thomas? Non. Ah bon? Bah non. Jamais envisagé? Non, bien sûr, bah non. Jamais envisagé. Et toi, Rebos? Non, ça va. Moi, ouais. Avec tes frères et sœurs, non? Non, ça va. Tes parents t'ont pas montré. Arrête, merde, putain! Passe ta parole à quelqu'un d'autre! Je voyais quelqu'un dans le chat qui parlait de masturbation collective avec ton partenaire. Oui, ça, effectivement. Enfin, je pense que c'est arrivé à tout le monde pour le coup. Mais c'est pas pareil. Là, on parlait vraiment de collective amitié type Valouz. Ou clairement, avec ton meilleur ami, t'es dans un mood où on se masturbe ensemble. Il m'a raflé en forêt, je suis en larmes. Non, mais bon, j'imagine Valouz dos à dos avec un collègue en train de se masturber. Une maison abandonnée quand même, une maison en ruine. Dans une maison abandonnée. Genre. Mec, c'est cringe à 14 ans. C'est cringe de ouf, mec. Ouais, j'avoue, il est mort de rire. Ouais, j'avoue. Il est énorme. Et genre, est-ce que vous parliez pendant... C'était le rendez-vous hebdomadaire, quoi, tu veux. Genre, vous discutiez pendant que vous étiez en train de vous branler? Oh non. Alors, en gros, tu en es où, là? Et toi, tu kiffes ou pas, là, la vidéo? Tu kiffes ou pas, toi? Bon, vas-y, on passe à une autre question, parce que là, j'ai des images trop bizarres. C'est trop bizarre. Tu sais, j'imagine aussi, en même temps. Je n'ai jamais volé dans un magasin, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, Sneaky. Ouais. Oui. Oui. Oui, ouais. Moi aussi. Kat, t'as volé quoi, Kat, dans un magasin? Ça dépend. Pardon? Ça dépend. D'accord, ça fluctue quoi. Ah, c'était des braquages là. En fait, quand j'étais plus jeune, je faisais ça pour les bonbons. Et à un moment, en fait, j'étais avec une pote. En fait, j'ai l'impression que je veux dire un truc super criminel, alors que trop pas. Non, regarde pas comme ça. On est plus attentif. On t'écoute, hein. En fait, j'étais dans un aéroport à New York, et avec une pote, on n'avait pas d'argent pour manger. Et on s'est dit, viens, on va voler un truc. Putain, j'ai même Luc qui Twitch. Et du coup, on a volé des M&M's dans l'aéroport. En vrai, voler de la nourriture, c'est pas le truc. Il y a des caméras partout, on stressait, on était en mode. Quand tu voles de la nourriture, c'est pas le truc. Genre dans le duty free de l'aéroport. Tu dois survivre, c'est de la survie. Ouais, en vrai, voler de la bouffe dans un magasin. C'est de la survie. Ça va quoi. Franchement, essayez même vous au moins une fois dans votre vie, vous allez voir, il y a un truc d'adrénaline. Vous avez volé quoi? Moi, je voulais des canettes de bière, du chocolat, des gâteaux, des Kinder. Et... Des Kinder? Ah ouais. Moi, tu t'es fait pécho? Du coup, ça t'a amené à la tripose de police ou... sécurité non. Du magasin et après... Ouais, okay. Moi, j'ai une histoire de baiser de pure discrimination. Où en gros, j'avais volé genre des canettes et tout dans mon sac, tu vois.
Il m'a pas demandé de vérifier mon sac et au moment où je suis sorti du magasin, c'était un petit Carrefour Market à Avignon, tu vois. Et je suis passé exactement en même temps qu'un Renoir. Le truc a sonné. Oh non. Le mec l'a plaqué. Je me suis retourné comme ça et genre le videur, enfin comment on appelle ça. T'imagines le seul agent du mec de la sécurité. Le vigile, il a pris le Renoir, il l'a pris comme ça. Il l'a pris comme ça et il s'est mis à parler avec lui. Moi je regardais, j'étais archi mal à l'aise. Et du coup j'ai continué à avancer parce que tu vois, j'avais pas faire. Non, mais c'est moi, j'ai volé un truc. Ouais. Du coup, je savais pas quoi faire, mais le mec avait rien volé, donc c'était ok. Tu vois, il est ressorti peut-être 10 minutes après. Je me sentais tellement mal. En fait, c'est une bonne tactique ton truc. Ah non, mais c'est horrible. Attends qu'elle arrive pas. Un mec, c'est horrible de ouf. Et il y a cette espèce de truc où t'as l'impression que, tu vois, moi, je suis un vieux babtou avec ma vieille gueule de gentil. Tu vois, j'ai l'impression que je peux faire n'importe quoi et les filles seront toujours en mode. Mais lui, il a rien fait. Tu vois. Christopher, tu n'as rien fait. Non, mais c'est impressionnant, tu vois. Ouais, bon. J'avoue. Est-ce qu'il y a une autre question? Je n'ai jamais tenu deux sexes masculins dans mes mains en même temps. Ah, ouais, ah bah si, masse. Bah du coup, Kalissou? Non. J'avoue. Non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Je m'en préserve. Rebos? Non, tu me poses la question. Mais parce que je la pose à chacun. J'ai tenu que mon vieil, quoi. D'accord. Ton quoi? Ton vieil. Le vieil. C'est pas un peu chelou ta réaction, je trouve. 4. Mais non, mais il me pose ces questions pour me mettre mal à l'aise. Oh, mais je la pose à chacun, mec, okay. Je la pose pas qu'à toi, t'es sérieux? C'est bon, vas-y, on passe. Valouze, est-ce que t'as tenu deux sexes masculins, un dans chaque main? Apparemment, oui. Non, je déconne. Non. Ok, eh bien, next, du coup. Je n'ai jamais mangé de la nourriture pour chien. Ah si, on l'a déjà goûté. Ouais. Alors? Bah oui. Pas dégueu. En vrai, ça ressemble. Non, c'est pas ouf, mais. Non, mais il y a plein de trucs. Il y a les longs bâtons, il y a les petits. Ah, t'as tout testé, toi? Non, c'est juste qu'il n'existe pas. Les biscuits passent bien, genre. Il y a la pâté, tu vois, et tout. Genre, ça dépend ce que t'as goûté. Moi, en vrai, j'ai jamais goûté, mais ça a pas juste le goût d'un pâté Lidl horrible, en vrai. Ça a pas juste le goût d'un pâté. Ouais, genre, les biscuits, on dirait des biscuits normaux, quoi. Ah, voilà. Un peu moins sucré, quand même. Après, j'en mange pas tous les jours, tu vois. Ça nous fait sa dégustation, tu sais. Valouze, il a un truc. Regardez. Ah, Valouze, allez, Valouze. Tu sais qu'un pote avec mon PC portable. Bientôt dégustation de nourriture de chien. Encore. Avec mon pote. Non, en fait, en gros, bah voilà, j'ai beaucoup de frères. Et on faisait, quand on se faisait chier que les parents n'étaient pas là, on faisait beaucoup de jeux, genre tu fermes les yeux, on te fait goûter un truc, et genre un système de points, blablabla. C'est en fait, avec mes frères, on faisait toujours les enculés, on donnait soit de la pâté de chien, soit de la bouffe de poisson, soit, et du coup, on a déjà tous goûté de la pâté de chien, de chat, de poisson. Bah oui, oui. Le poisson, c'est le pire. C'est le pire. C'est les petites graines, c'est ça? Le poisson, c'est horrible. C'est sec. Tiens, à l'odeur, ça pue encore. Attends, tu sais quel goût ça, du coup? Tu veux dire quoi? Il sait quel goût ça a. Mais c'est non, quoi ça, le goût? Ça sent le poisson mort. Enfin. Ah, c'est horrible. Hein. C'est du fromage. Il a dit du fromage de teub, l'enfoiré. Du smegma. J'aime pas ce que c'est. Quoi, ça veut dire fromage de teub? En gros, le smegma, c'est le fromage de teub, quoi, mais casse. J'aurais appris un mot. Ah merde, putain. De bon, bah voilà, c'est tout. Bon, bah next. Reste là, Valouze, reste là. J'ai jamais essayé. Ça fait penser au film American Pie, en vrai. Ouais. Ah, ok, d'accord. Vas-y, remets. Je suis aveugle, donc je n'ai jamais essayé de faire l'amour à des aliments. Voilà, exactement. Voilà. Bah, ça fait un peu penser à American Pie. Ouais. Ouais. Après, il y a beaucoup. Moi, je sais qu'il y a. Ouais, non. Allez, Valouze, ok, il y a un de mes potes, quand j'étais au collège, il avait essayé mettre dans une chaussette. Des pâtes. Bah oui, après, ça, apparemment, c'est un truc connu. Ça. Quoi? Tu mets des pâtes chaudes dans une chaussette et en fait, en gros, bah, après, tu te branles avec ta chaussette. Les flashlights ou les Tenga. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le coup du pot. Et j'avais un de mes potes au collège, il avait essayé. Et... J'ai jamais été curieux, hein, je vous rassure. Parce que, et bah, il en a dit quoi, du coup? Il a dit que c'était de la merde. C'était de la merde. Parce que logique, c'est des pâtes, quoi. Voilà. Il y en a, apparemment, il faisait des trous dans le concombre. Et il creuse des le trous concombre. Dans le concombre. Oui, tu prends un concombre, tu le coupes en deux, tu fais un trou dans le concombre. Ah, j'ai jamais vu des forums genre avec des éponges et tout. Genre, bah, sinon, c'est il y a le fameux truc, la tarte aux pommes du coup d'American Pie. Ouais. Mais sinon, enfin. Tu l'as déjà fait. T'as le donut aussi. Ah, j'aime bien les aliments, mais non, pas à ce point-là. Je les mange, quoi. Next question. Juste pour la next, Jackson. La dernière. C'est la dernière, allez, du coup, il la sélectionne. Il nous fait un truc muy caliente. Ça passe pas dans un concombre. Deux escalopes entre les barres du radiateur, tu sais. Ah, what the fuck! Donc le mec, il a baisé des escalopes et un radiateur en même temps, genre, c'est odieux.
papier toilette sans papier. D'accord. Ah, bah tu non, mais les gens sont chelous. Il y a le bail du yaourt aussi. Genre, les mecs, ils sont en mode. Ils ont tout testé. Quand t'es en chien, t'es en chien. Le burger branlette. Vas-y, let's go. C'est la dernière, les gars. Va falloir. Putain, je suis tranquille. Hein. Je n'ai jamais comparé le sexe de mon partenaire à celui de mon ex. T'as les hachis. Vous êtes sérieux à prendre ça ? Non, non, ça peut se faire pour les mecs aussi. Il y a des vagins plus agréables à regarder et à sucer. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, il y a toutes sortes de vagins. Bah, du coup, si, évidemment, tu compares, mais sans faire exprès, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que tu en vois deux, bah, forcément, dans ta tête, il y a une différence. Moi, enfin, non, c'est... Honnêtement, je n'ai jamais comparé. T'as jamais comparé, c'est un joke. Non. Pas t'as forcément une plus grosse que l'autre. Alors, THZ. Mais non, c'est... Quand je suis avec mon partenaire actuel, j'ai pas, absolument pas besoin de repenser mais à non, ça que mais j'avais c'est, avant. Mais t'y penses pas, mais c'est... C'est subconscient, genre. Tu avais quel beat avant toi? J'ai changé de tub récemment. Ok, les gars, Kat. Oui. Enfin, quand mais tu as dit pour ce fesse, forcément, automatiquement, tu dis ah. Ah. Oui, alors. Ah. 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 Ah, merde. Ah. Ah, j'aurais jamais dû switch. Dommage. Ah. Je disais pas ça négativement. Non, mais Ah oh non, le bon vagin qui pendouille, bien, on le connaît celui-là. Bah moi je le connais pas perso. Du coup, Rebos. J'ai jamais comme tu dis, jamais comparé. Arrêtez de dire Monsieur Lee. Ouais, en fait, ouais, au niveau comparaison, je pense qu'il y a le fait que bah forcément il y a deux trucs différents. Même si tu compares pas, t'es pas en mode alors l'autre il était plus machin, mais enfin il y a juste des différences, donc voilà quoi. C'est de là qu'on tu compares inconsciemment. En tout cas, je me suis bien marré pendant cette heure-là. Cool, c'était cool. Balouz nous a rejoint pour nous. Il a une vie chelou, mais voilà, il nous a rejoint, ça fait plaisir. T'as des maisons abandonnées, putain. On va parler de ma vie à partir de 17h, il me semble. 18h30, je suis dans le mask-off avec Moz. Ah, c'est aujourd'hui. Tu vas nous parler de toutes tes expériences. Non, bah non. Ouais, je vais quand même petite interview personnelle. En vrai, ça va être vraiment cool. Du coup, le mask-off avec Valouz, il y a pas mal de trucs à dire. Après, on se retrouve pour le journal du stream à 18h30 et une IRL ce soir de 20h à Inch'Allah. On sait pas encore. Chez nous. Peut-être 22, peut-être plus. IRL depuis la maison en direct. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne suite d'après-midi. On vous adore et à plus tard. Ciao.